Bonjour à tous. Dans ce cours, nous allons apprendre à réaliser des œufs durs et des œufs mollets. Alors, dans un premier temps, vous allez mettre de l'eau dans une petite casserole et de l'eau froide dans un autre plat. Alors, on va porter la casserole d'eau à ébullition. Mais d'abord, on va ajouter un petit peu de vinaigre. Alors, quand l'eau bout, vous allez pouvoir mettre les œufs délicatement. Minutes pour les œufs mollets. 10 minutes pour les œufs durs. Lorsque les œufs sont cuits, vous les sortez simplement de leur casserole et vous allez les mettre à refroidir directement. Lorsque les œufs ont bien refroidi, on va simplement les écailler. Alors pour ce faire, sur un essuie-vaisselle, on va venir frapper l'œuf plusieurs fois en le tournant. Et ensuite, on retire simplement les morceaux de coquille. Et on vient le mettre un peu dans l'eau pour le débarrasser des petits écailles qui sont restées. Et voilà!